La montre que vous découvrez dans cette vidéo est la Marloé Coniston, une montre mécanique au look coloré. Et attention, je vous préviens, c'est mon coup de cœur de cette fin d'année. Elle est vendue à 340 euros et c'est une montre pensée pour les personnes en recherche d'originalité et de grande qualité. C'est Vivien de la Petite Trotteuse et bienvenue dans ce nouveau test. Alors déjà, Marloé, eh bien, c'est une marque qui est anglaise, qui a été lancée en 2016 par un duo donc d'anglais qui s'appelle Gordon et Oliver. Et donc en fait, leur idée de base, c'est vraiment de pouvoir vendre des montres à prix accessible, évidemment, sinon je ne les présenterai pas ici sur la Petite Trotteuse, et surtout et avant tout mécaniques. Effectivement, apparemment, ils sont allergiques au quartz, je sais comme beaucoup d'entre vous, et du coup, ils se sont lancés le défi de ne vendre que des montres mécaniques, et pour l'instant, à remontage manuel. Alors aujourd'hui, on compte 4 collections, et dont cette collection Coniston, qui est sortie très récemment. Et donc c'est une collection qui est un peu plus colorée, et qui, je trouve, propose un très bon rapport entre originalité et simplicité. Alors c'est-à-dire que c'est pas une montre qui est farfelue, elle reste assez simple, mais avec quand même pas mal de petites touches d'originalité. Et cette Coniston, eh bien, elle est déclinée en 4 coloris, et la couleur que je vous présente ici, c'est la couleur qui s'appelle Bluebird. Alors, on reçoit la montre dans une boîte cartonnée qui est plutôt simple, qui est de couleur bleue. On a une surboîte jaune par-dessus, on a le logo qui est gravé, on a pas mal de petites inscriptions à droite et à gauche. Mais voilà, c'est une boîte qui est plutôt basique et qui, je trouve, fait très bien son travail. À l'intérieur de la boîte, évidemment, on trouve la montre qui est logée dans une sorte de mousse épaisse assez rigide qui permet un bon maintien pendant le transport. Voilà, donc c'est une boîte qui est assez basique et ce que j'aime beaucoup, c'est que la couleur de la boîte s'associe à la couleur de la montre puisqu'en fait, suivant la déclinaison de couleur de la montre que vous allez choisir, du coup, le packaging s'assortit avec. Je trouve que c'est plutôt joli. Après, voilà, c'est une boîte qui est très basique, qui n'a pas dû coûter forcément très cher à fabriquer et finalement, c'est peut-être pas plus mal puisque ça permet de proposer une montre à un prix qui reste accessible. Justement, au niveau de la montre en elle-même, eh bien déjà son boîtier, il faut savoir qu'il mesure 40 mm de diamètre pour 10,5 mm d'épaisseur. Alors sur le papier, ça peut paraître comme des dimensions assez imposantes, mais en fait pas du tout, c'est pas une montre qui est grosse, on n'a pas du tout un pavé au poignet, elle reste assez compacte. Alors évidemment, elle est moins compacte que si elle avait fait quelques millimètres de moins, ça paraît tout à fait logique, mais elle reste très agréable à porter. Et je pense que cet effet de compacité, eh bien, il est dû en grande partie au fait que le boîtier ne soit pas parfaitement cylindrique, mais qu'il soit un petit peu arrondi, un petit peu galbé en dessous. Alors déjà, c'est très joli, et en plus de ça, ça permet, encore une fois, je pense, de ne pas avoir l'effet pavé au poignet. Ce boîtier, il est entièrement poli, du coup, il est entièrement brillant, ça donne pas du tout de côté clinquant. En fait, je trouve que ça lui donne même un côté un peu chic, alors sans pour autant que ça lui donne un aspect haut de gamme, c'est-à-dire avec des matériaux très nobles, etc. Ici, on reste sur une montre assez simple, mais avec voilà, une petite touche d'élégance en plus, grâce au revêtement brillant du boîtier. On a des cornes d'attache qui sont très fines et qui sont plutôt longues et qui ont surtout un écart de 20 mm. Donc en fait, si le bracelet qui est fourni avec ne vous plaît pas, eh bien vous pourrez changer très facilement puisque c'est l'une des tailles les plus standards. Au niveau de la face avant du boîtier, en fait, la partie visible vraiment du boîtier est très petite puisqu'on a un verre saphir bombé qui recouvre une très très grosse partie de la face avant. Ça permet d'avoir une très grande ouverture sur le cadran et vous allez voir juste après une très bonne lecture de l'heure en même temps. Sur le côté droit, à 3 heures, on trouve une couronne de réglage qui, alors non seulement elle est assez originale de par sa forme déjà puis par ses petites décorations, évidemment on a le logo Marloé qui est gravé dessus, mais en plus de ça, elle est très pratique à utiliser et heureusement puisque c'est une montre qui est mécanique à remontage manuel. Donc grosso modo, toutes les 40 heures, vous allez devoir utiliser cette couronne pour remonter la montre. Donc effectivement, il vaut mieux qu'elle soit facile à utiliser. Pour fermer la montre, au niveau de l'avant, on a un verre saphir bombé qui a un traitement anti-reflet. C'est la première fois que je trouve un traitement anti-reflet vraiment réussi. C'est vrai que d'habitude, je suis toujours un petit peu perplexe avec ça. Là, je trouve que ça limite vraiment pas mal les reflets autres que la lumière naturelle. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une très bonne luminosité à l'intérieur du cadran. Et de l'autre côté du boîtier, on a aussi un verre transparent qui lui va permettre de voir le mouvement mécanique qui est logé à l'intérieur de cette montre. Je ne suis pas forcément un grand expert en termes de mécanique horlogère, mais je trouve que ce mécanisme il est assez joli. En tout cas, visuellement, il est bien soigné. Donc c'est un mécanisme donc, mécanique à remontage manuel qui est un Miyota 8N33. C'est un mécanisme assez basique qui a une réserve de marche d'environ 42 heures et qui a aussi un décalage de plus ou moins 20 secondes par jour, donc ce qui reste très correct. Au niveau du cadran, moi c'est vraiment la pièce que je préfère sur cette montre. Très sincèrement, je trouve déjà que son design est très réussi.
En fait, on a plusieurs niveaux de profondeur dans le cadran, on a aussi des très bons choix de couleurs, on a aussi des détails qui sont très bien placés, on a un soin qui est vraiment assez bluffant en fait au niveau des ajustements. Donc voilà, ce cadran, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Tout autour du cadran, on a une lunette inclinée qui contient en fait les chiffres de 13 à 24 heures. C'est assez original, en général, sur ce genre de lunettes, on va plutôt trouver alors soit les chiffres de 1 à 12, soit une échelle tachymétrique. Et ici, effectivement, c'est l'heure en fait en format 24 heures, c'est assez original. Et puis toujours sur cette lunette, un petit peu plus à l'intérieur, eh bien on va trouver toutes les graduations pour en fait la lecture de la seconde. C'est assez joli, je trouve qu'en plus de ça c'est très bien pensé, puisque c'est exactement la même couleur que la trotteuse sur laquelle on va revenir juste après. Au centre du cadran, on a une zone circulaire qui est exactement du même bleu que la lunette à l'extérieur. Et en fait, entre ces deux parties, eh bien on va trouver une bande de luminescence qui est très très bien vue. Alors non seulement parce qu'elle est assez lumineuse pour qu'on puisse lire l'heure très facilement, même dans un milieu très très sombre. Alors évidemment, ça reste une luminescence, donc ça va pas fonctionner pendant des heures. Et en plus d'être bien visible, eh bien elle est très bien pensée, puisque les petits index bâtons qu'on va trouver pour la lecture de l'heure dépassent très légèrement sur en fait cette partie luminescente, et qui va permettre justement de lire l'heure précisément, sans forcément ajouter énormément d'éléments graphiques sur la partie luminescente. On a aussi une incrustation du chiffre 12, donc évidemment à 12 heures tout en haut de la montre. Et en fait, c'est assez rigolo parce que c'est le seul gros chiffre chromé qu'on va trouver, comme si c'était vraiment le point de départ de la lecture de l'heure, ou en tout cas le plus gros repère visuel en fait pour pouvoir placer la montre correctement. On a des index qui sont chromés pour la lecture de l'heure, des petits bâtons qui sont très fins. Leur collage est vraiment très précis, j'ai regardé à la loupe même pour voir si les ajustements étaient très bons. Et voilà, il n'y a vraiment rien à voir, c'est vraiment très très propre. Et toujours pour la lecture de l'heure, eh bien évidemment on a des aiguilles, ça peut servir. Et donc on a deux aiguilles qui sont de forme assez similaire. C'est juste qu'en fait l'aiguille des minutes va être un peu plus longue que l'aiguille des heures, évidemment. Ce qui est assez original et en même temps très bien fait, c'est que ces deux aiguilles, eh bien en fait elles sont divisées en différentes sections. On a différents petits morceaux en fait dans l'aiguille, dont l'extrémité qui est luminescente aussi. Et en fait ce nombre de sections n'est pas le même sur l'aiguille des heures que sur l'aiguille des minutes. Donc ça va permettre encore plus de bien les différencier, et ça je trouve que c'est vraiment très très bien pensé. Donc leur forme est originale, on a un revêtement brillant sur ces aiguilles qui est très réussi, qui donne un côté très plat, très précis aussi, on a une découpe qui est vraiment parfaite aussi au niveau des aiguilles. Et puis justement, j'en parlais tout à l'heure, on a une trotteuse qui évidemment va faire le tour complet du cadran, qui est très fine, qui est jaune, et en fait la pointe de cette trotteuse se place parfaitement bien au-dessus de la bande luminescente, et c'est à ce genre de détails aussi qu'on remarque que voilà, les ajustements sont vraiment très très bons, et qu'on a affaire à une montre plutôt très bien pensée, plus qu'à une montre un peu brouillon. En bref, avec ce cadran, c'est simple, il est très lisible, je trouve qu'il est très joli, notamment grâce à ses différences de profondeur, grâce à ses choix de couleurs aussi qui sont très bons. Voilà, moi très sincèrement, ce cadran, je l'adore, et je pense qu'il va plaire aussi à beaucoup de monde, puisqu'on a un très bon rapport entre simplicité et originalité. Quand on passe la montre au poignet, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que déjà elle est plutôt légère, elle fait 65 grammes. Alors c'est le poids moyen d'une montre, hein, environ. On est en général entre, on va dire, 55 et 70, 75 grammes pour une montre normale, on va dire. Cette Coniston, elle est aussi très confortable, notamment grâce à la forme du boîtier dont je vais parler tout à l'heure, qui est en fait arrondi en dessous, qui permet de ne pas avoir un cylindre un peu coupant au poignet, et puis qui surtout permet de casser le côté un peu massif qu'on aurait eu si c'était un cylindre de 40 mm. Elle est plutôt compacte aussi, on n'a pas du tout l'impression d'avoir une montre de 40 mm au poignet. Et puis en plus de ça, le bracelet qui est livré avec, alors en tout cas sur ma version, c'est un bracelet en cuir marron. Et en fait, cette nuance de cuir s'appelle un cuir cognac. Donc en fait, c'est un cuir marron assez foncé avec des reflets rouges. Je trouve que c'est très joli. Ça change un petit peu des bracelets noirs ou marrons assez classiques et qu'on croise un peu partout. C'est assez joli et en plus, ça s'associe très bien avec les couleurs du cadran, en tout cas sur la version que moi j'ai testée. Ce bracelet mesure 20 mm de largeur, donc dans le pire des cas, si jamais il vous plaît pas, vous pourrez toujours changer assez facilement. Il existe énormément de bracelets qui font 20 mm de largeur, donc vous n'aurez pas de difficulté à trouver. Toujours au niveau du bracelet, on a une surpiqûre qui fait en fait tout le tour du bracelet, qui est exactement de la même couleur, et puis ce bracelet il se ferme avec une boucle Ardian chromée, qui est assez basique, sur laquelle on trouve juste le logo Marloé. J'aurais aimé que cette boucle soit un petit peu plus travaillée, un petit peu plus originale, un peu dans la même lignée en fait que ce qui a été fait sur le cadran. Mais bon, voilà, c'est une boucle Ardian assez basique qui s'utilise très bien, et finalement c'est peut-être le plus important. Pour conclure avec cette Marloé Coniston, comme je disais en introduction, c'est mon coup de cœur pour cette fin d'année, simplement parce que je trouve qu'elle est très réussie déjà en termes de design. Elle a un look qui est vraiment très beau. Moi j'ai pris cette version là parce que je trouve qu'on a beaucoup de montres avec des fonds blancs, avec des fonds noirs ou gris, etc. Parfois un petit peu triste. Ici le fond bleu avec les petites touches de couleur de jaune, je trouve que ça s'associe vraiment très bien. En plus de ça, on a un cadran qui est très facile à lire, elle est très confortable une fois au poignet.
C'est une montre qui est donc assez difficile à critiquer en fait. Je vais pas dire qu'elle est parfaite parce que j'imagine qu'on peut toujours faire mieux. Mais voilà, à 340€, c'est une montre qui est vraiment excellente. C'est un très très bon rapport entre son visuel, son originalité, sa qualité et son prix. Moi, c'est une montre que j'aurais achetée sans problème. Alors ici, évidemment, c'est Marloé qui me l'a fournie pour le test. Mais voilà, si je devais l'acheter ou la recommander à quelqu'un, je n'hésiterais pas un seul instant. Voilà, ce test est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo. Moi, ça va me permettre de la faire remonter dans les résultats de recherche et puis de savoir aussi qu'elle vous a plu. Vous pouvez aussi commenter la vidéo si vous souhaitez me poser une question ou commenter cette montre, etc. Il n'y a pas de problème. En général, je réponds assez vite aux commentaires. Et puis aussi, pour me faire vraiment très plaisir, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment. Ça ne vous coûte rien, ça ne prend qu'une seconde. Mais vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Je publie pas mal de photos en plus des articles, qui parfois même n'ont rien à voir avec les articles directement. C'est l'occasion aussi d'échanger peut-être un peu plus facilement que par mail pour certains. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à me suivre sur YouTube. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !